Bonjour à toi, cher spectateur. Marche ou crève de Margot Bonhomme est un film dont je n'avais absolument pas du tout entendu parler avant qu'on m'évoque l'idée de pouvoir rencontrer la réalisatrice. Honnêtement, ça rentre dans cette case assez atypique et maladroitement oubliée du cinéma qui concerne les petits films d'auteurs qui ont réussi à se faire un chemin dans les festivals, mais qui, aux yeux des spectateurs, resteront malheureusement la plupart du temps des films dont on va vaguement entendre le nom, peut-être à la radio, à la télé ou sur une chaîne YouTube, mais dont on ne verra pas grand-chose de la couleur tant le film est distribué de manière très anecdotique. Mais ça ne m'a pas empêché de me demander qu'est-ce que ça donne le premier long métrage de Margot Bonhomme. Le résumé pour faire simple, Ellie est une jeune fille qui a délaissé ses études trop rapidement pour s'occuper avec son père de sa sœur Manon alors que sa mère a décidé de quitter son père. Nous allons la suivre dans un moment charnel où la place de sa sœur va être remise en cause au sein de sa famille. Et le premier long métrage de Margot Bonhomme est un film rempli de petites maladresses, ça c'est indéniable, mais qui porte en son sein un sujet tellement maîtrisé par une cinéaste qui avait vraiment envie d'en parler, que du coup, j'ai trouvé le film vraiment passionnant. Le film est porté par une réalisatrice qui ne sait pas forcément très bien comment mettre en scène de nombreuses scènes et comment écrire de nombreux instants qui sonnent comme un petit peu trop émotionnel et pas assez objectif, entre guillemets, même si l'objectivité est souvent difficile lorsqu'on touche un sujet qui est très personnel. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment une intention qui est tenue du début à la fin, et au-delà d'une intention qui est tenue du début à la fin, je trouve que l'ensemble du métrage est porté par une envie vraiment profonde de la part d'une cinéaste qui avait besoin de parler de ce sujet, que du coup, on est touché par ça, et au-delà d'être touché par ça, on est vraiment ému par la portée du message qu'elle évoque lorsqu'elle conclut son long métrage. Parler du handicap est un sujet complexe au sein du cinéma, parce que si peu de cinéastes en parlent, c'est parce que si l'on en parle mal, cela peut totalement détruire l'immersion du spectateur, mais bien plus que cela, le métrage peut clairement sonner comme une œuvre presque inutile, voire même méprisante sans le vouloir. Mais Margot Bonhomme avait envie de parler de cela, son histoire personnelle ayant fortement encouragé. Mais bien plus que cette simple base, elle avait envie de parler avant tout de l'humain face à ce genre de situation. Et elle le fait d'une bien belle manière, au cœur d'une œuvre tout simplement envoûtante et émouvante qui transporte le spectateur, même si le réalisme peut parfois sonner comme un peu forcé. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Margot Bonhomme seule, et elle a été aidée, pas en termes d'adaptation et de dialogue, si j'ai bien compris, par Fanny Burdino. Le film, on le sent, est un long métrage qui se veut très anecdotique, que ce soit dans son développement, ses thématiques, son sujet, tout ce qui entoure la base du handicap. C'est un film qui se veut être vraiment démonstratif. C'est-à-dire, on ne cherche pas forcément à explorer une psyché profonde des personnages secondaires, mais on veut surtout rentrer dans celle avant tout de Ellie. Les autres personnages, c'est pas nécessaire. C'est peut-être ce qui fait le défaut du film, parce qu'il y a des moments où il y a des personnages qui sont intéressants, comme celui du père, comme celui de l'amoureux, qui du coup sont un peu passés à la trappe parce qu'on sent que les deux auteurs ont envie surtout de se centrer sur Ellie, et donc de développer ce qui se passe dans la tête d'Ellie. Ça a un impact sur le spectateur, mais il y avait des moments où je me disais, c'est trop maladroit. Il manque des choses, il manque des bouts de scène, des fragments, des instants qui pourraient réussir à faire en sorte que le message ait une portée beaucoup plus, je dirais pas universelle, mais en tout cas forte. Et j'avais la sensation qu'il y avait un gros ralentissement, qu'il y avait vraiment des instants où il manquait quelque chose, il manquait un dialogue, il manquait une scène, il manquait un raccord, il manquait un instant, pour faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, on comprenne un peu mieux les personnages qui entourent Ellie et donc du coup qu'on cerne encore mieux Ellie. Parce que derrière, on va pas se voiler la face, en termes d'écriture, c'est d'une profondeur extrêmement intense quand il s'agit de rentrer dans le cerveau d'Ellie, de comprendre totalement ce qui se passe dans la tête de cette jeune fille, et surtout de savoir pourquoi à ce moment-là elle a pris cette décision, et pourquoi ici, au moment où le long métrage commence, il va y avoir un combat qui va l'inciter à devoir totalement remettre en cause les choix qu'elle a faits par le passé pour pouvoir avancer. Du haut de cette dramaturgie somme toute classique mais rudement efficace, l'auteure française veut avant tout développer un tout émouvant et touchant, comme évoqué plus haut, qui cherche à développer le plus possible, par le biais avant tout des dialogues, la psyché des différents personnages entourant Ellie afin de la rendre la plus touchante possible. Avec cela en tête, on pourra toujours avoir l'impression que le pathos est un peu forcé, mais surtout que le tout sonne comme un tantinet grossier et maladroit dans le développement de sa dramaturgie. Mais non, il n'en est rien. Parce que par le biais de ce point de vue, et de cette optique de lecture, Bonhomme nous fait ressentir chaque doute, chaque remise en cause, chaque besoin se trouvant dans la tête d'Ellie. En termes de mise en scène,
Le style de Margot Bonhomme est très clair. C'est du réalisme. Poussé à son extrême, à un tel point que nous, en tant que spectateurs, on peut facilement remettre en cause pas mal de choses. Se dire que tel instant, c'était peut-être pas obligé que ça soit mis en scène de cette manière-là, tel autre instant s'est montré de manière peut-être trop anecdotique pour que ça ait un impact, tellement le réalisme est poussé dans des retranchements où du coup, ben, il faut filmer certaines choses, mais pas d'autres. Là où peut-être un petit peu d'onirisme, un petit peu de poésie aurait incité un cinéaste à plutôt filmer comme ça plutôt que comme ça. Mais derrière ça, il y a une vraie intention qui se dégage de l'ensemble de la scénographie de la réalisatrice française qui fait que nous, en tant que spectateurs, on est impacté par les événements qui se déroulent devant nous. Pas uniquement impacté parce qu'avant, comme dans le scénario, on a été rentré totalement dans la tête de cette jeune femme, mais surtout parce qu'on a cette véritable intention de scénographie, de réalisation, de cadrage, de montage, qui fait que on cerne totalement le personnage d'Élie. Comme dans l'écriture nous permet de la cerner parce qu'on est dans sa tête. Là, c'est au-delà de ça. C'est, on a les frissons qu'elle a. On a les doutes qu'elle a. On a les instants où elle pourrait avoir envie de tout plaquer. Et on se dit que on est vraiment avec elle. Et au-delà d'être vraiment avec elle, on est dans une espèce de prison que le cadre arrive très très bien à nous faire ressentir parce que Margot Bonhomme a un choix très tranché de cadrage qui peut un peu rebuter si on n'est pas trop ouvert d'esprit, parce que ça fait un petit peu vieux cinéma, mais qui est mis en place avec une vraie intention de mise en scène derrière. Évidemment, le cadre en 4 tiers de la jeune cinéaste française évoque bien sûr l'enfermement du personnage de Ellie, mais également le regard des autres sur sa sœur, que elle voit en scope, mais que nous, par la faute de notre société, nous avons malheureusement tendance à regarder avec des œillères, donc en un sens, en 4 tiers. Cela est une belle démarche, même si elle reste assez limitée durant une bonne partie du métrage. Mais pour autant, cela ne sonne jamais comme une idée maladroite, bien au contraire, et c'est sûrement par le biais de cela que la jeune auteure réussit à construire un récit qui sonne comme vrai, et non comme fictif, apportant un réalisme cru, mais certainement nécessaire. En termes de casting, je ne saurais que dire si ce n'est que déjà Cédric Kahn est un de mes coups de cœur de cette année. J'adore ce mec, vraiment. C'est un réalisateur de talent et un acteur de talent également. Et je trouve en plus qu'il y a beaucoup de connexions entre le film de Margot Bonhomme et le précédent long métrage en tant que réalisateur de Cédric Kahn, en passant. Et j'ai beaucoup aimé Jeanne Coendy. Alors Jeanne Coendy, il faut savoir que c'est une actrice de théâtre qui n'est pas du tout handicapée. Mais son interprétation est saisissante. C'est hallucinant, mais on y croit à 200%. J'ai rarement vu une actrice qui tombe pas du tout dans la caricature et qui au contraire est extrêmement crédible. Honnêtement, cette actrice est parfaite. Et je la trouve merveilleuse. Mais il y a une actrice centrale dont je suis extrêmement fan du travail depuis plusieurs années. Et alors là, elle est géniale. Diane Rouxel est saisissante. Et la jeune femme prouve une nouvelle fois qu'elle est une grande actrice du cinéma français actuel, mais bien au-delà de cela, qu'elle est un jeune talent à suivre très fortement et qu'elle est capable de totalement porter un film sur ses épaules. Au bout du compte, Marche ou crève est malheureusement une œuvre qui va certainement passer à la trappe. C'est dommage, c'est triste et c'est chiant, désolé du terme, mais Marche ou crève est une œuvre que je trouve assez intéressante en termes de thématique, en termes de développement, en termes d'émotion. C'est une œuvre poétique qui arrive tout de même à outrepasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladresses qui ne sonnent pas comme des poids, mais dont la réalisatrice essaye énormément de se délaisser pour parler de ce dont elle a envie de parler, c'est-à-dire d'un handicap, de l'évoquer avec son cœur, avec ses tripes, en parlant de quelque chose qui la touche. Et ça fait que je trouve, du coup, Marche ou crève de Margot Bonhomme est une œuvre que, si vous avez l'occasion de voir dans les salles, je vous conseille de voir. C'est un vrai moment d'émotion, ça prend aux tripes, c'est extrêmement touchant. Et en plus, c'est porté par une actrice que je trouve hallucinante de beauté. Et j'espère honnêtement que l'Académie des Césars saura reconnaître ça. À plus!